Je vais commencer d'abord pour calligraphier deux phrases pour montrer comment on peut passer l'expression dans les gestes graphiques aussi. Donc je vais prendre une phrase qui évoque la gravité et une autre qui évoque une sensation de bonheur. C'est le poète espagnol Quevedo du XVIIe siècle qui dit « Il y a dans mon cœur fureur et peine ». Et on va demander à Jacques Prévert de lui répondre. Il s'intéressait beaucoup les calligraphes anciens ou l'espace. Les lettres, on peut l'apprendre, ce n'est pas compliqué. Mais l'espace, c'est quelque chose qui chaque fois change et on n'arrive pas à le maîtriser. Les lettres, on sait quelle hauteur ils ont, quelle largeur, on sait quel mouvement intérieur de la forme, comment on crée une lettre. Alors Jacques Prévert dit, même si le bonheur t'oublie un peu, ne l'oublie jamais tout à fait. À partir du XIVe siècle, on a commencé à faire des monuments qui montent vers les hauteurs. On a dit aux calligraphes, il nous faut de la calligraphie qui monte dans l'espace. Et ce moment-là, le calligraphe vraiment est devenu un vrai artiste parce qu'il commence à s'occuper de volumes qui montent dans l'espace. Alors ça, c'était une lettre qui se prononce le K en arabe. On nous dit, d'ici et là doit être égal à quatre points du même instrument. D'ici là doit être égal à deux points. D'ici là, deux points. Cette partie-là est bombée demi-point. Là aussi, les demi-points, on dessine en rond. Ici, on a deux points pour attacher une autre lettre parce qu'en arabe, la plupart des lettres s'attachent. Je prends une autre lettre dans le même alphabet, le même style. Donc, d'ici là, on doit avoir quatre. À l'intérieur, cinq. Et puis on a quelque chose qui est invisible à l'œil, et les calligraphes, ils cachent souvent leurs secrets à l'intérieur.